Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Je vais vous présenter une petite technique assez rigolote et puis pas mal efficace que j'ai vue qu'une seule fois, enfin, qu'on m'a présenté une seule fois, avec ceci, avec un crayon. Ce qui, bon, un crayon, voilà, rien de plus anodin quand on fait du dessin, mais c'est un crayon avec la gomme, vous savez, la gomme comme quand on était à l'école et quand on utilisait la gomme pour gommer les erreurs quand on faisait un contrôle de maths, moi ce qui m'arrivait assez souvent d'ailleurs. Et donc on va utiliser cet outil pour dessiner et je vais vous expliquer en quoi c'est super intéressant et ça peut vous aider à dessiner plus vite, mieux les textures et de manière plus amusante, je vais dire, ouais, voilà, un peu moins lassante. Donc je vous présente ça et juste avant de vous en parler, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Alors ce petit outil, comment on va l'utiliser? Eh bien on va faire comme... on va battre la musique. Dans les cours de musique, on avait ça, cet exercice-là. Il fallait battre la mesure avec le crayon et puis en écoutant un morceau, ouais, tac, 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 tac. Et bien, on va faire la même chose. On va prendre le crayon par la pointe, donc pas en position écriture, on va prendre l'inverse, hein, la pointe ici, on l'attrape par là et on va taper sur le papier. Alors, comme ça, on va battre la mesure. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça? C'est que le petit coin là, le petit coin de la gomme qui est assez bon, il y aura pas la mise au point sur mon crayon, je pense. Non, il va pas faire ma tête. Ah voilà, donc le petit coin qui est assez anguleux là, et eh ben il va faire des tout petits points sur le papier et ça va permettre, eh ben, de créer des textures comme le pelage d'un animal, des poils courts, en tout cas suggérer des poils courts ou même les pores de la peau. Pour le dessin, ce portrait-là que j'ai réalisé il y a oui, le mois dernier. Donc j'ai utilisé deux techniques pour la peau. Ici, on voit. J'ai simplement utilisé la gomme Tombow, que vous connaissez peut-être, la gomme Tombow, qui est une petite gomme très très fine que j'utilisais jusque-là pour faire les dessins. Et après, je me suis dit, avec cette technique-là, bon, alors je l'ai vu, hein, sur technique, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais d'ailleurs, comment il s'appelle le mec là? Oui, il s'appelle déjà ce gars, Okafor, Kevin ou Kelvin Okafor, qui la présente. Et donc, en fait, il prend son crayon. Donc, une fois qu'il a placé la première couche de ton de gris moyen sur le portrait, il n'y a pas encore les rayons, et ben il va prendre son crayon et puis il va tapoter comme ça. Bon, avec sur le bureau, oui, ça va le faire un petit peu mieux, mais en gros c'est ça. Et du coup, à chaque fois qu'il va tapoter, ça va créer une petite un petit impact sur la feuille et ça va faire apparaître un éclat, un point qui sera un éclat de lumière en fait sur le modèle. Et donc vous faites ça à répétition, ça prend pas longtemps et vous allez dessiner la peau beaucoup plus vite si c'est pour dessiner la peau. Donc j'ai utilisé cette technique-là sur les mains également. Hop, sur ici, là, un petit peu partout, et ça a été beaucoup plus facile et agréable de faire juste ce mouvement-là, tac 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 tac, que d'avoir la gomme et puis avec la gomme Tombow d'enlever de redessiner en fait les éclats, les rayons. Ce qui veut pas dire qu'on va se passer de la gomme Tombow pour les dessins, c'est juste que pour les zones où c'est un petit peu chaotique, les zones qui sont imprécises comme les pores de la peau, voilà, ce sont des éclats de lumière qui sont assez proches et condensés, ouais, qui sont concentrés sur une zone. Et bien, au lieu de prendre une gomme et puis la gomme Tombow et puis de la dessiner cette zone, on va simplement taper comme ça et ça va faire gagner du temps. Et pour le reste autour, les endroits d'impact de lumière qui sont isolés, ben, et qui ont besoin de précision, là on va utiliser la gomme Tombow en position écriture. Voilà. Donc
Essayez, c'est rigolo. Faites votre dessin, estompez, donc vous remplissez votre motif avec votre graphite. Vous prenez un mouchoir ou quelque chose pour estomper, clac, et il y aura donc un aplat de gris. Et vous essayez avec ça, tac, tac, de taper sur votre dessin, et vous allez voir que ça va créer des petits impacts de lumière et commencer à faire du relief. Et à part de ça, vous prenez ensuite votre crayon 4B, voilà, un outil gras. Et puis vous terminez de créer la troisième valeur de gris très très sombre pour pouvoir terminer de faire votre relief. Donc voilà, concrètement, moi par exemple, pour le coup, ici, donc j'ai fait le remplissage avec un gris moyen, j'ai tapoté avec la gomme, et ensuite, là c'est du coup, c'est plutôt de la. Du fusain là. Du coup, c'est du fusain. Donc, j'ai pris le fusain et puis je l'ai rempli ici et puis là pour terminer le volume. Et puis, vous voyez, ça a été assez rapide et ça rend super bien. Donc, voilà pour cette astuce. Là, ça va réhabiliter un petit peu le crayon gomme. C'est assez sympathique. Donc, ça va vous faire ressurgir des souvenirs de votre scolarité. Voilà, et j'espère que votre scolarité a été bonne du coup. Et voilà pour cette vidéo. Et si vous avez aimé cette astuce, n'oubliez pas de laisser un petit pouce j'aime pour me dire. Et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur le pouce je n'aime pas pour me dire que vous n'avez pas aimé, que vous n'avez pas aimé l'école, si vous avez le droit. Et puis voilà, n'oubliez pas de regarder dans la description les différents cours de dessin que je propose, les différentes formations pour débutants. Donc, et puis c'est tout. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!